Avant d'être une humoriste connue et reconnue, Chantal Leitzou est avant tout une mère de famille. Sur le plateau de 50 Inside, samedi 11 juin 2022, face à Nikos Aliagas, elle est revenue sur sa carrière, et les moments difficiles qu'elle a pu vivre. En effet, avant de trouver le succès, elle a enchaîné de nombreux échecs. J'avais des moments de galère. Mais heureusement, j'avais mon mari, et mes enfants. Ils étaient mes premiers supporters, a-t-elle raconté le sourire aux lèvres. Seulement, après un nouveau refus, elle n'avait pas hésité à faire une blague à ses deux enfants. Si est-ce ce qu'elle a raconté face au célèbre animateur. Elle se trouvait en voiture avec ses deux fils, Alix et Julien, et leur a annoncé qu'elle avait pris la décision d'arrêter sa carrière de comédienne. Ils étaient prêts à pleurer, ils étaient mes deux managers, s'est-elle encore souvenue. Devant la réaction de ses enfants, l'humoriste avait tout de suite tenu à leur dire que c'était une blague pour ne pas leur faire plus de mal. Heureusement qu'elle n'a pas pris la décision de tout plaquer puisqu'à force de persuasion, elle est parvenue à atteindre son but. Chantal Leitzou a donné le secret de la longévité de son mariage tout au long de sa carrière, elle a pu compter sur le soutien de son mari avec qui elle file le parfait amour depuis 47 ans. Toujours sur TF1, elle a donné le secret de la longévité de son couple. Il faut se dire les choses, et ne pas attendre. En plus de faire rire son mari et ses enfants, aujourd'hui, elle peut aussi donner le sourire à ses petits-enfants. J'ai un peu réalisé mon rêve, a alors confié Chantal Leitzou, heureuse de son parcours.